Si t'as un heal à côté de toi, tu peux commencer à être rage. Il y a Willow, enfin je compte pas trop sur elle, mais bon. Tu vas mourir. D'accord. Le portail, il a pas voulu de moi, il m'a mis à l'eau. Elle est mon sur le Dieu. bateau qui est à côté du bateau où on fait les missions. Oui, je sais. Non, mais c'est à Mandy, je parle. Ah, j'ai pas vu ce qu'elle dit. Ah, tu en risques pas de le voir. Attends, oui, alors, tu risques pas de le voir. Ah, oui, mais genre, en stagé non plus, j'aurais pas vu. Ah ben oui, tu peux chercher longtemps là-bas, effectivement. Elle cherchait Azul Dazar. Oh, GG Gwen. Ah, GG. Je l'ai même pas vu l'affiche. Ah, mais oui. J'étais en train de me dire super, il s'est passé un truc. Ah, il a chopé de super belles chaussures. Il y a un écho sur Gwen juste en dessous. Ouais, il part sur les filles. Qui manque-t-il? Ah bah c'est de ta faute ça. Ah bah si, c'est de ta faute. Ah bah non, c'est pas de ta faute, c'est ma faute, j'ai oublié de le mettre sur le calendrier. Ça sera une attaque qui aura sur le boss. Oh bah j'ai piscine alors. Bon, par contre, vous m'excuserez, j'ai pas été là beaucoup de la journée, donc j'ai fait vite fait la strat de celui-ci et j'ai été voir rapidement Rastakam. Ouais, j'ai juste vu qu'il y avait 46 000 phases, c'est tout. C'est ça. Coucou l'olive. Tu m'excuseras, c'est de ma faute, j'avais oublié de te rajouter sur le calendrier pour ce soir. Du fait, JPA, il a oublié de te grouper. Ça, les crapauds, ça sera des Rastakhan qui en lancera des comme ça. J'aime pas les grenouilles, ça me rappelle celle de l'île du temps figé là, quand t'arrivais crappy pour se faire.
Ah ouais, bien chiante d'ailleurs. J'ai tapé les grenouilles là, avec leur stack là de merde. Qu'est-ce que tu vois par mes yeux, Gwen? Est-ce que tu vois la vie en rose? Le vert, le pas bon là. Allons-nous avoir d'huile? J'ai peut-être Pandaman qui va arriver. Il vient de se connecter, je suis pas sûr, mais. Ça marche. Ah tiens, Aurèle, je peux même plus venir toute seule te faire chier. Pourquoi? J'ai prévu de passer demain. Je dis à Gérard, mais je dis demain, je vais chez Aurèle. Bah, moi, c'est voir, je suis là. Non mais Jérémy, petite soeur, moi je peux venir. Mais je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Bah je vais aller voir Bernard. tu deviens gay, toi. Bah mais moi je peux pas parler de tout et de rien si vous êtes là. Bah ouais, mais moi je m'en fous. On peut pas dégueuler sur votre dos. Et Dieu sait qu'on a des choses à se dire. Mon Dieu. Nous, les hommes, nous sommes faciles à vivre, contrairement à vous. C'est nouveau. C'est bien connu. Merci. Eh, tu sais pourquoi les hommes vivent 10 ans de moins que leurs femmes? C'est à cause de tout leur stress que les femmes nous donnent. Va te déstresser, va me faire un café, va. Les gens savent pas y aller. Les gens savent pas lire. Ah merci, j'allais le faire. J'allais le faire, regarde. Quoi? Non. Il y a des DPS qui taguent, mais pas de heal. Ah Shaina, regarde comment il s'appelle le pet de Zephyra. Attends. Bah, c'est marqué inconnu. Ah, bah moi pourtant je le vois.
Tu regarderas après. On peut pas te le dire. C'est bon, pour l'instant, il est un peu en l'air, le pet. Bah écoute, je vais laisser la recherche tourner et puis on va en... comme ça, si j'ai un Iggy Tag, on le prendra en notre deux. Mais au moins, ça nous permettra d'avancer un peu d'ici là, d'ici 22h20. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. C'est pas gênant, en sachant que je vais laisser la recherche tourner pour avoir un autre île. Salut. 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 Yo. Tu vois toujours pas, Shaina? Non. Coucou, Panda. Salut. On avait fait un flash reload. Me dites pas que c'est Eclipse. Si. Ah putain, je viens de capter. Décidément, jusqu'au bout, il va me traîner, lui. En fait, Eclipse, c'est le nom du perso de son fils. Ouais, entre autres. Ouais, entre autres. Il joue druide, peut-être. Non. Non, son druide, c'est Médor. Anciennement Xadruidi. Xadruidi. Putain, j'arrive jamais à le dire. Ouais, il y a des noms bizarres hein, aussi, lui, des fois. Ouais, il est un peu chelou. On attend que Panda nous rejoigne et puis on. Vas-y. En fait, à la base, Eclipse, c'est pas lui qui l'a créé, hein, c'est moi. C'est moi qui ai créé Eclipse. C'est lui qui l'a récupéré après. Lui, il a un perso, qui s'appelle Eclipse, et moi, j'ai un perso qui s'appelle Étoilia. Ouais. Et donc, on va se battre contre les aspects des Loa. Il y en a quatre, on va les battre deux par deux. Donc, on va avoir Pakku. Ensuite, Gong va le rejoindre. Quand on aura tué Pakku, c'est Kimbul qui rejoint le combat. Quand on aura tué Gong, il y aura Akunda qui rejoindra. Quand Akunda arrivera, il faudra claquer les rois à ce moment-là pour tuer le plus vite possible Kimbul et finir Akunda tout seul. Faut toujours que vous soyez assez proche, mais tout, au minimum à 7 mètres tout de même, parce que si vous êtes à moins de 7 mètres, les lois se buffent. Quand Pakku fait son courroux, il faudra aller se placer dans la haut. Quand Kong fera son courroux, il y aura des petits raptors qui vont popper, ils vont suivre les gens, ils font très mal, donc faut les ralentir et les DPS. Les tanks, vous devez vous prendre de... Quand Kimbul sera arrivé, il faudra que de temps en temps vous échangiez les boss pour limiter les stacks de charge. Il faudra sortir de l'AOE d'Akunda et éviter les orbes d'Akunda. Sur Pakku. De temps en temps, il me faut un volontaire CAC qui tentera Pakku quand les stacks de vent de hâte seront trop hauts. Donc faut le tent, faut se prendre un coup de mêlée et le tank doit le reprendre. Dans la strat, il conseille de le laisser à un DPS. Moi j'ai rien bien pouvoir. Tu peux essayer en tank, mais. On peut switch, vous pouvez essayer. D'un coup, me reprend le mien et je reprends le sien. Faut jamais se tenir devant. Pour les DPS et les heals, faut jamais se tenir devant les Loas. Il faut dispel autant que possible le maléfice rampant. Être à plus de 5 mètres des joueurs qui seront ciblés par le courroux de Kimbul. Donc il va certainement sauter sur les joueurs. Il faudra s'écarter du courroux d'Akunda parce que il va le mettre sur un joueur et ce joueur faut qu'il aille assez loin parce que sinon ça stun les gens qui sont dans le courroux. Les mages, vous pouvez utiliser vol de sort sur les adds affectés par le don du vent. Ce sont les adds dont le tank Pakku est vivant. Ça vous vaut du fait de vous récupérer le buff. Quand ça sert à rien de faire du cliff parce que quand un des lois meurt, la vie des autres monte. Et Kong, il faudrait essayer de le tuer parce que si vous préférez, les capacités spéciales de chaque Loa restent actives jusqu'à la fin du combat à partir du moment où le Loa est arrivé en trail. Et donc il faudrait essayer de tuer Kong quand on aura le courroux de Pakku parce que sinon, si on tue Kong avant,
C'est Akunda qui... Non. Attends, ça sera lequel? Et ça sera le suivant qui fera son courroux. Très bien. Kazmodan, c'est français. Oh là là, oui. Kazmodan, c'est pire que Zoé. C'est un Kazmodan, c'est comme si t'as 10 mois dans ton raid. Ah mais bon. Vu que c'est pas trop ce soir, on va pas... On va pas non plus... T'as peur, hein. T'as peur. Dis quoi? Ah ouais, 10, ouais. Bah quoi, ça fait 18, Gwen. Donc, je vous ai expliqué le plus gros de la strat. Après, on verra pendant le try. Je vais claquer le chaudron. Ah, il était long à popper. Merci. De rien. Et vous m'excuserez pour les logs d'hier soir, il y a eu un problème, le log sur Opulence. Ouais. Bah, je l'ai transmis à Eno, je vous le remettrai sinon. Et le combat sur Opulence, il a été pris qu'à moitié en compte. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. On a les autres. C'est bon, ils sont là ou pas encore? Non, les là. TP pour... Du coup, je vais falloir être cap, ça fait Pakou, Gronk. Pakou, Gronk, Kimboul et Akunda. Attends, je vais mettre ce que tu veux dessus. Ah non, je peux pas. Je vais target. Lance un TP sur les derniers, j'irai me stopper. Ah, tu peux target que les deux premiers. Je suis là en premier, je suis là en deuxième. Je peux pas TP Elenel. Il est là. Ah. Ah oui, non, il est en dessous. Il est dans la salle en dessous. Ah ok. Ouais, bah il est là. Par contre, après, je sais pas où est-ce qu'il est placé Kimboul et. Pour moi, Kimboul, c'est celui-ci. Akunda, c'est à droite. Merde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, Kimboul, c'est celui-ci. Et Akunda, c'est celui-ci. Ils n'ont pas l'air de vouloir venir sur le board. Bonjour. Bonsoir. Salut. Bonsoir.
Salut. Bonsoir. Bonsoir, il faut bonsoir, que les boss soient assez près, mais à 7 mètres de distance tout de même. Non. Ouais. Elaniel et Kawa, est-ce que vous avez vu un peu la strat ou est-ce qu'il faut que je vous explique rapidement? Alors moi je l'ai fait hier en DPS. Ouais. Et donc je lui ai expliqué, mais rapidement, les mécaniques. Elaniel. Okay. Les 4 mécaniques. Okay, je lui ai pas dit quelle cible à faire en premier, c'est tout. Donc toi, c'est-à-dire l'ordre des boss à tuer. Ouais, donc ok. Donc bah, dans l'ordre des boss, on va faire Pakku, Gong, ensuite Kimbul et ensuite Akunda. Vider le chaudron. Hein. Il est où? Il est devant, là, ici. Prenez un flacon, les deux derniers, et puis ensuite, si... Voilà. Il a des pop. Je plaque le festin. Les festins tout pas bons de Jeeper. C'est ça en fait qui en manque ce soir. Ils ont été malades avec le festin. Bah j'osais pas le dire, mais ouais. On a déjà deux morts. On sait pas ah si oui. Ils vont tenir. Bon après c'est des cas mineurs. Oui, voilà, c'était un gnome donc. Bonsoir, voilà. Ça ah, suffit. C'est peut-être les piments. Arrêtez de me persécuter. Bah toi, j'espérais que ça aurait été toi en première, mais ça peut marcher. Il est méchant. Si tu veux, je le frappe tout à l'heure. Avec Coria, sur la petite gnome là. Hey, coucou! Là, en parlant de lèpre, vous savez ce que font deux lépreux avant de faire l'amour? Bah, ils cassent la croûte. Oh là là. Ah, il est violent. J'avais dit que c'était, ça allait être dégueulasse. Je la sentais dégueulasse. Salut tout le monde. Hello. Salut. Oh, revenons. J'arrive. C'est vrai ou quoi? On m'a reproché ce matin que je venais jamais vous voir, donc je viens vous voir rien que pour vous souhaiter déjà une bonne année, mes meilleurs voeux. Santé à tous ceux qui sont ici présents. Et à après, toi aussi. Bah, le coucou, quoi. Merde, à toi aussi. Coucou. Bon, je lance l'appel. T'es quoi, sérieux, là? Espèce de traître, va. Ouais, non, pas une traître. Non, non, mais t'es sur quel serveur, là? Bah, sur Varimatras, hein, mais ça n'empêche pas, je peux jouer avec toi en inter-serveur, ça marche maintenant. Bah, j'ai repris aujourd'hui un petit peu, parce que j'en avais marre de haut, j'ai arrêté quand même 6 mois, là. Donc je suis un petit peu paumé, parce qu'il y a eu plein de petits changements, là. Super. Oui, des petits quoi. Panda, tu me diras dès que t'es prêt. Je mange et puis ça. Ça marche. Si je crippe les vies ou pour... Non, il va pas rigoler. Bah non, moi je, c'est parce que Majo il a commenté un de mes statuts Facebook pour soudre de ma gueule en plus. Excuse-moi, je préfère l'autre que ta gueule. Hein. Je me doute. Hein. L'autre, je la retourne de tous les côtés, l'autre, toi, je te mets de côté quoi. Allez, on va pouvoir lancer. Ah. Donc, pas coup en premier. 5, 4, 3. 2, 1. Donc ça, quand il y aura des aides, normalement, vous pouvez les mages, vous pouvez le faire un vote de sort dessus. Ça, on sait qu'à, ouais. Ouais.
on ralentit les raptors et on les pète le plus vite possible. Et ceux qui sont fixés, vous courez. Ouais, bah ils courent bien plus vite que moi. C'est pour ça qu'il faut les ralentir. Je vais poser le cercle. Ah, il y a encore un. Ouais. Ça, c'est pas con qui s'envole. Il va falloir. Elle va se poser à un endroit dans la salle. Il faudra aller sous elle. 5, 4, 3, 2, 1. Là-bas, vite, dedans. Tout le monde? Oui, tout le monde. Même les tanks. Voilà pourquoi. Okay. Pas reçu. On s'écarte. Par contre, ils font mal. Ouais, c'est les CDDF dessous. Le corps se plie à ma volonté. Oui. On fait attention, alors y'a qu'une boule à récupérer. Ouais, ils sont moi, ils sont moi. Allez, pas qu'elle va se poser. On va sur Packer. Pas plus. 5, 4, 3, 2, 1. Je mets les trucs pour ces cartes. Les trackers. Les gens qui sont target par King Bull quand c'est son courroux, vous essayez de les écarter et s'il y a quelqu'un proche ou la personne qui est proche s'écarte aussi. Il tape en AOE. Il saute sur les gens, mais en fait les gens qui sont à portée dans une zone de 5 mètres se mangent les dégâts aussi. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. On va sur Paco. Il y avait Raptor en même temps. Throwing. Raptor, oui. Vous pouvez stopper les lignes. Allez dans les AOE. Est-ce qu'on peut mettre en place une rotation des lignes? Un par. Ouais, par contre, faut qu'il y en ait si tu te sens capable de les annoncer. Oh, mais on va le faire. Un ordre. Ouais. Ah, bah, il faut, ouais. À chaque fois que Paco il fait ça. Ah ok, ça marche. Moi je vais bien le faire en premier. Moi aussi je l'ai fait en premier et j'ai fait le regain sur le premier. Ok. Ouais. Bah moi j'ai le regain aussi. On va dire Panda. Gwen, c'est quoi que t'as en prêtre déjà comme CD? C'est le CD bouclier. C'est la barrière? Ouais. Ils en ont deux en prêtre. C'est la barrière. Le regain, limite... le regain, ça fait masse, hein. Ouais, mais à la limite, ils vont mettre les moines en premier parce que... Pour que ça soit rechargé pour la fin. Non, mais même, on a... Enfin, moi, j'ai... après, je sais pas si tu l'as, deuxième moine. Mais dans les traces hérétiques. Chaque fois qu'on lance vivifié, on a une seconde en moins sur le regain, donc on l'aura beaucoup plus tôt. Je l'ai une fois, ouais. Ouais, je l'ai deux fois, donc. C'est pour ça que je veux le faire en premier.
Ouais, donc Panda en premier, bah donc on va mettre Kawa en deuxième, Willow en troisième, Gwen en quatrième, ça marche? Ok. Moi, j'ai le cocon plus rapide, un vivifié qui donnera au gain et la fusion. Moi j'ai deux fois le regain et... Bon, après j'ai l'archer, t'es titan. On mange. Tu peux faire des pierres de soin en fait? Ouais, je t'en fais. Par contre, je vois pas les sorts. J'ai une idée que c'est bon pour moi. Bah voilà, un mort de plus de ton festin. C'est dommage, hein. Tu es une grande perte. Ah, il va nous manquer. Bon bah suivant. Avec un peu de chance, ce sera Zephyra. Jouez pas ce ligne pour voir si tu meurs toi quand on mange. Mandina, elle est là? Ouais, elle est revenue. Elle a fait une petite bourde sans le faire exprès sur le trail d'avant. Ah ok, parce que je l'ai pas vu, c'est pour ça, sur le trail. Non, ça dérange pas, Zoé, tu peux le faire, c'est juste que leur vie, même si tu les descends, après elles sont remontées. On pensait que t'étais mort aussi du festin. C'est bon pour toi? Ouais. Tu peux faire le DPM. Two, one.
ça, on s'écarte bien. C'est ça, c'est le bug devant là que partout il va sur lui, vous pouvez voler. Les verts vont nous raser écartés sur le port du rond. Et par contre, restez pas dans les AOE verts parce que vous voulez la manger aussi. Ouais, là j'ai eu du monde sur moi avec les AE vertes là. Faut se mettre, faut essayer de vous mettre dans le bord du cercle mais sans toucher le tank. Si vous voulez que vous touchez le tank, vous en sortez. Hein ? Non, c'est pas ça, je parle des ronds verts là qu'on a sur nous. Ça, faut pas qu'il y ait un autre joueur dedans, sinon l'autre joueur se le mange et il a aussi le rond vert après. Five, four, three, two, protégez, ouais, c'est tout le truc pour moi. En fait, il y en avait qui bougeaient pas du tout. Ils sont obligés. Dudy ? Comme dans le manoir. Tu disais quoi, Lévi ? On est obligé de rester dans le truc du dragon quand on a le truc vert. Bah, c'est que si vous êtes en dehors, vous allez mourir. Alors, je sais pas si en claquant un CD défensif, vous arrivez à tenir. Mais c'est compliqué. Par contre, ouais, si t'es dans le cercle, il faut vraiment te mettre au bord du cercle. Et les gens qui sont à côté, faut pas qu'ils se mettent dans ton cercle. Parce que sinon, ils vont se prendre le debuff et après, c'est ingérable. Parce qu'il y a trop de ronds verts, quoi. Ouais, c'est les DPS au centre et les ronds sur l'extérieur. Mais dans tous les cas, quand les ronds verts, même quand il n'y a pas Paku, quand il y a les ronds verts, faut pas qu'il y ait d'autres joueurs dedans, parce que sinon ils se remangent le debuff après. Je recharge mon nuit. Tu recharges ? Ouais, je reload. Ouais. Et je suis en train de manger, donc tu peux lancer si avec ta main. C'est bon. Tu peux lancer. N'oublie pas de te laver les mains. 5, 4, 3, 2. One. Brise de bois pour la meute. Le vent se plie à ma volonté. Vous ne pouvez pas vous échapper. Non, c'est clair. Ah.
Là, je suis au niveau du défi. Dedans. On sait bien aller ralentir ou aller stun pour dire ce qu'il m'a pris la nourriture, c'est pas. Décale-le encore Bernard et on a le debuff là-dessus. Alors, on est bon là. Allez, Paco s'envole. Five, elle se pose devant ma salle. 3, 2, 1. Oh là là. Non, ça, c'est pas ça. C'est ce qu'il faut pas faire. Oh. Chaque mort renforce la meute. Bah le premier trait il était plus beau que les deux suivants. Hein. Ils viennent d'où les deux morts? Parce que... Moi c'est un raptor qui courait trop vite et au bout d'un moment il courait plus vite que moi. Ils sont beaux, je crois, c'est pareil. Les imbéciles meurent toujours les premiers. Pourtant au niveau de... Ouais. C'était quoi le scénar? C'était lui, non? Non, Les dégâts subis, je pense, hein, non? Non, là, c'est... Déjà, il y a eu les AOE. Qui ont été multipliés. Il me semble qu'elles font un peu de dégâts. Et il y a les raptors, ils sont pas ralentis, et quand il est pas ralenti et qu'il te touche, il te fait bobo. Après, on a trois pas, n'hésitez pas, si vous avez pas de CD perso, s'il est au cac de vous, c'est CD perso, et si vous avez rien, demandez une prot. Une main de prot. Ouais, mais même dans tous les cas, je vais te dire, on a bien assez de stun et de... Ah oui, sans compter les stuns, les ralentissements, tout ça. Il y a les sapes aussi qui marchent. Hein. Ouais, les sapes, les stuns, les... Donc on a tous un petit truc, bon moi je pouvais pas faire sur le mien, c'est incanté, donc j'ai essayé mais pas le temps. Mais on a tous un petit truc pour voir stun les raptors. Hein. Par contre quelqu'un a une forge pour réparer. Je vais mettre un marteau. Ouais. Puis là je crois que ce qui s'est passé c'est quand on est allé vers le dinosaure là, qui s'est posé, il y a eu des marques je crois au dino. Ouais, il y a eu des... j'ai mis à l'arrière sans le faire exprès le marteau. Moi j'ai une question, oui. Plus principalement peut-être pour les mages. Là le buff qui se met pas cool là, qui augmente sa HAD de 75%. Je crois que sur le lore en lui, voilà. Je peux pas le voler. Ça faut bien le dispel, on est d'accord. Non, on s'en fout. Je suis pas certaine, mais je crois que tu peux pas le voler sur le lore en lui-même. Tu peux le voler en fait, sur les et tu peux le dispel, mais voilà. Donc moi je le dispel, je voulais savoir si ça dérangeait pas les mages en fait, s'ils avaient essayé de le voler et en cas que je leur vole pas un buff en dispellant quoi. En fait on peut le voler mais uniquement pendant qu'il n'y a pas les raptors. Dès qu'il y a les raptors on peut plus le voler, je sais pas pourquoi. D'accord, donc je vous le laisse en fait. Sur Paco. On est d'accord, sauf si ça traîne trop. Ouais, tu peux nous laisser, mais après ouais. Raptors, bah oui, parce que moi quand je vois un buff généralement que je peux enlever, je l'enlève de suite, donc c'est pour ça que je pose la question, vous allez me haïr quoi sinon. Encore plus je veux dire. On peut pas faire plus, t'inquiète. Oh, il y a moyen, hein, je peux aider. Hein. Après, je pense que les trucs de goudron, t'essayes d'en claquer un au pif, si t'as de la chance, il y a un nat qui marche dedans, ça doit aller ralentir un peu ce truc-là.
Le ring qui fonctionne. Donc au pire, les gens passent au niveau de ton piège pour essayer de le déclencher. Ça peut aider. Est-ce que le buff, tout le monde là, tu sais, quand tu prends pas un coup, moi il met un buff, je monte à 40 stacks. Un buff sur Paco. Je sais plus le nom. C'est ça qu'à la base, vous deviez. Quand t'as besoin de déstacker, il faut qu'il y en ait un qui te le tonne. C'est ça que j'avais demandé à un DPS à la base. Voilà, parce que là, au début, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Et en fait, au fur et à mesure du combat, je monte à 40 stacks et là, je me prends des claques. Disons à 20. Tu demandes, tu dis Jeeper Taunt et vous faites un échange. Ouais, bah dès que je suis à 20, je prendrai Gonk alors. Ça marche. Ok, ouais, on fait un switch. Ouais, parce que en fait, jusqu'à 40, ça va encore, mais après, c'est chaud quoi. Et dure combien de temps de debuff ? Il me semble qu'il est présent jusqu'à ce que. Non, en fait, il est tout le temps là. Et en fait, il fait que monter. Ok. C'est bon, tout le monde est prêt. Ouais, mais faut pas que les boss se rapprochent hein, parce que laisse tomber, ça fait extrêmement mal quand les arrêts sont là. Si tu tuntes et que toi tu retunes flotte, ils sont censés juste oui, se passer côté. Oui, mais allez. Ça doit être instant des écarts. On a un au cac. Ouais, il y en a un au cac. Ça fait pas de dégâts. Mais... Ça fait pas de dégâts ? Non. Tu vas pouvoir reprendre, Jérémy. On passe tous sur les trackers. On essaie d'un stun, de les ralentir. Bon, je l'ai. Les verres écartés, vous claquez un peu de ce défensif. Je suis à 29. Vas-y, je le reprends. Allez, les trackers. Moi le deuxième, je les ai deux sur moi. Ok, Kong. Il est devant. Pas con, en dessous. Mais qui me brûle un peu plus sur les trois. Faut déplacer un peu plus. Ouais. Tu veux en restant dans le trou. Ouais. Il va y avoir les raptors. On va en dessous de Paco. Les verres vous écartez, c'est des défensifs. Three, two, one.
prêt, Kero. Tu peux les dispel, les contrôles mentaux? Je ne sais plus, mais il me semble que oui. Ouais, bah... En fait, c'est moi qui frappe. Un reste dans 24 secondes sur Panda. 5, 4, en dessous de pas de coup. 2, 1. Troisième, c'est des villes. Allez, on finit avec on montera sur la cuve. Sur la cuve. Tout le monde reste. Vite sur la sur course, d'abord vous. Regarde dispo. C'est une bibule. Je le regarde aussi. C'est quoi qui vous crame là, un peu tout? Oh oui, un peu tout. Après, c'est le moine en général aussi. Non, de toute façon, les 4 îles, vous êtes connus. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis à 30% parce que c'est je marre. Profil, hein. C'est surtout pas tout. Ouais. Limite, à 5ème îles. Ça serait pas de refus? Voilà. Oh, 5 îles, ça ferait quand même beaucoup. Bah, je pense un peu parce que ça va rajouter de points de vie au boss. Et... Perso, moi hier, on l'a passé à 5 kills. C'est vrai? Mais on l'a fait ça depuis le début. On a tout passé au 2 try. On est à 5 kills. Ouais, que nous, hier, on a passé les 4 premiers à 4 kills. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter le courroux? Ah, tu peux pas les éviter, les courroux. Tu veux pas? Donc, ok. Par contre, les il y a des dispels, faut les faire le plus rapidement possible, les dispels sur les silences. Ouais, mais je crois que c'est que si vous êtes autour du boss qui pop. Non, c'est un random. Non, faut les ah, c'est un random. Ok. C'est ce que j'ai demandé. On a qu'un seul dispel. Sur le maléfice rampant, c'est ça qu'il faut dispel. Ou pire. Non, pas sûr. C'est pas ça. Ou pire, ce que vous faites, c'est... Vous annoncez une confusion astrale, mentale plutôt. Ça. Vous annoncez une marque et vous allez tous là-bas et vous faites masse dispel par le prêtre. C'est ce qu'il faut dispel. C'est de quel boss celui-ci? À de quel. Le. Akunda? Le troisième. Ouais, c'est confusion astrale, c'est ça. Ah, ça. Non, c'est Akunda. Akunda, c'est le dernier. Oui, c'est ça. Comment s'appelle? Ton forêt. Bah oui. Merde, mauvais côté.
Attends deux secondes. Faut qu'Awen en rejoigne. Bah ouais, tu nous dis dès que c'est bon que t'as mangé. C'est bon, je suis en train, tu peux le DBM. Tu peux lancer le DBM, j'ai peur. Je peux reprendre, Jérém. Allez, on essaye de faire des stuns. Sur lui. Alors le but c'est de s'écarter mais pas sur les copains. Les trackers. Non, vous pouvez stopper les mots. Sur quoi? J'ai mis un bras zéro. Je vais vous réduire en chapitres. Libérez pas. Mais c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Kimbrel, vous devez vous l'échanger. Vous devez vous le passer. Ouais, en fait, je pense qu'on doit se tous se les passer, pas seulement Paku, mais tous les autres. Bah t'essayes, je sais pas, tu fais à 3, si à 3 tu prends trop cher, tu échanges à 2.
Ouais, mais je savais pas au moins avant ça. Non, mais la technique, le courroux reste toujours actif, même une fois mort. Donc l'envol de Pacu reste actif, les raptors restent actifs, le troisième c'est les bons, et le dernier c'est une AOE. Donc plus on va avancer dans le fight, plus ça va faire mal, parce que plus il y a de grosses techniques à gérer. Ouais, en fait, je crois que moi je commence sur Pouka. Ensuite, c'est Jérémy qui le termine. Et lui, il prend Kimbul. Et Kimbul, il fait griffe lacérante. Et c'est le sort là, en fait, qui fait mal. C'est griffe lacérante. Et en fait, à mon avis, il faut se l'échanger aussi à celui-là. C'est pas des charges? Il fait pas des charges aussi? Non, c'est griffe lacérante sur Kimbul, c'est le troisième. Pardon? Kimbul, c'est le troisième. Ouais, t'as dit quoi? Bah, donc c'est ça, en fait, faut tous se les échanger, en fait, regarder un petit peu. Ah mais de toute façon dans tous les cas oui Kimbul ils doivent se l'échanger. Parce qu'en fait donc là, si ça reste comme ça, je pense que là, Jerem, il va taunt Kimbul en premier. Et en fait, à la limite, dès qu'il est à 2, moi, je leur taunt. Ouais, on va faire 2. On va faire 2, je crois que c'est bien, ouais. En fait, on fait 20 sur Pacu et après, on fera 2 sur Kimbul. 2 stacks, c'est 10% de dégâts en plus. Je sais pas. Je crois. Si c'est... ça inflige 75 000 points de dégâts physiques à l'impact et 7800 supplémentaires toutes les 1 seconde, pendant 45 secondes. Bah moi je te dirais même à chaque fois que tu te le manges. Ouais mais après faut voir si c'est pas trop rapide parce que si tu les échanges trop, en fait ça fait que les deux boss ils feront tout le temps en moins de 7 mètres. Ouais c'est vrai. Ah non parce que normalement le buff il se le mange s'ils sont en moins de 7 mètres mais ils vont juste se croiser donc ils le perdent aussi vite. Ouais sans doute ouais. Après on peut essayer comme ça. Bon déjà essayons de stack. Ça sera peut-être plus tenable. Ouais. Ouais, parce que là on prend des claques, mais c'est un nappe. Bah, je le vois, mais c'est trop vieux à fond du yo-yo. Ah mince, pardon. C'est ça. Allez, on était prêt donc tu peux lancer. Tu peux prendre Jerem. On essaie de les stun, de les ralentir, un peu de glace que vous voulez. Okay. 2, 1.
Allez, les trackers. Deux stacks vers on va sur Paco à l'entrée. Oh, je pense que c'est mieux déjà comme ça. Je suis à 2, Jérémy. Allez, on essaye de finir Gong. Tu me le reprennes sur la 3. Allez, on claque les roues. Dispel. Et on essaye de défoncer le plus vite possible jusqu'à une boule. Il y a pas coup. Allez, en dessous. C'est un dispel le faire. Zephira silence. Je suis à 3, Jérém. Switch Bernard. Ouais, trop tard. Gorez le temps. Ouais. Essaye de tenir Bernard. Ah non, c'est mort, pas. C'est silence. Les deux ils sont. Quand ils se buffent, c'est mort. Vous avez parti ? Fallait accepter tout de suite. Bah ouais, mais j'avais deux Bérez, fallait accepter tout de suite. Hein.
C'était déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. C'est ça. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on peut demander aux gens qui ont besoin d'être dispel d'aller au centre et de se faire masse dispel? Mais je pense, ouais, je pense. On les fait tous à la main, on perd tellement de mana, nous. Je pense que ce qu'on va faire tout simplement, c'est que tous les distances, on va se paquer au centre, tous les cags, vous paquez en dessous du boss qu'on target, et seulement ceux qui sont ciblés par quelque chose, je sors. Ouais, ouais. Et même, je pense que les distances, on peut même les paquer au cac. Si, il y a Kimball, hein. Si il jump dans le tas, on prend tous la lacération. Mais à partir d'Akimbo, on s'écarte. Et... Bah, et normalement, t'as le temps, hein, parce que t'as la flèche, t'as le temps d'aller te placer et t'as le temps de revenir dans le truc après. Hein. La flèche, il te saute pas direct ouais. Dessus, t'as une flèche. Hein. Donc après, ça, c'est aux gens de surveiller. Ouais, t'as le même timer que moi pour le dispel de masse. Ouais, on a le même. Tu peux parler? Bah, à la limite, Gwen, pour ça, tu te recules de 5 mètres en arrière. Ça, c'est pas gênant. Même là, Jérém, à chaque fois qu'on va aller prendre en dessous du dino, moi, je me replacerai sur la tête de mort. Ouais, on fait ça parce que c'était un peu bordélique. Ouais, à un moment, je te cherchais, je te voyais pas. J'ai dit, merde, il est où? Ouais, moi, je garde ouais. La croix. Enfin, tu gardes la croix, puis moi, je vais sur la TDM. Ouais, comme ça évite que tu bouges comme... Ah non, tu l'as pas fait, Squidlo. Toi, tu as juste à taunt le boss, il va venir direct sur toi, et puis vice-versa. Parce que donc si on doit courir à droite, à gauche... Ouais. Le DPS CAC, là, à peu près, c'est bon, ou un peu plus en avant, vous êtes sur le truc. Mince. Quand vous êtes sur le boss, sur le loa. Donc, nous, du CAC, on reste que sur les boss et sur les ces raptors qui sont autour du boss. Ouais, ça c'est que quand, okay. Quand vous avez, si vous avez le debuff vert, vous sortez. Si vous avez oui, le la flèche rouge, vous sortez. C'est clair. Et quand il y a le dernier truc, quand vous avez le l'AOE d'éclair, vous sortez. À moins qu'il ouais. Y ait pas de coup et que. Oui, d'accord. Donc nous on s'occupe pas des autres raptors que celui qui vient au coq. Ah non, même les autres raptors aussi. Hein. Oui, donc ça c'était ma question. Donc à ce voilà. Moment-là, je suis pas paquet parce que si je vais chercher les autres. Oui, mais c'est les raptors ils mettent de plus en plus de temps à tomber aussi. Ouais, et le fait d'être ce paquet, les raptors vont se rapprocher de nous dans tous les cas, donc tu vas pas bouger très loin. Ok. N'oubliez pas de reflasque, le flasque il arrive bientôt à la fin. Donc là, ce coup-ci, tout ce paquet au jaune. Les verts vous écartez, ceux qui sont un peu en arrière essayez de vous rapprocher sur le jaune. Tu peux reprendre, Jérém. Allez, on passe sur les trackers. Sur Paco, mettez-vous au orange. Il n'y a pas que au bleu. Allez, tous en dessous de Paco.
pied. Les raptors. Allez, tous repaquer au jaune. Les verts, vous sortez. Je suis à deux. On se décale au orange. 5, 4, 3, 2, 1. Sous la autre coup. Les ZAD. Allez, passe sur les ZAD. Il en reste un peu. Je suis à deux, Jérém. Et on se repasse au jaune. Allez, sous Paco. Il y a un aspect qui dégomme les DPS. Dispel. Ouais. Il y a un aspect sur nous. L'aspect d'accord. Ouais, bah. Ah bah, bon, ça suit, t'es mort. Bah, parce que celui d'avant il est mort, donc il y a le suivant qui est arrivé. Bah, oui. Bah, si t'en as pas sur la tronche, faut le reprendre. Ça arrivait aussi au fight d'avant. Je suis mort tout seul. 5, 4, 3, 2, 1. C'est comme tu veux, Lolu. Faut TP le 5ème heal. Ouais. Par contre, au fait, si t'as encore une forge, je suis preneur. Ouais, je vais ressortir une. Ouais.
Un russe? Ouais. Mais il n'y a pas énormément de heal qui tag ce soir. Ouais. Non, il faut forcément être un... Panda, tu penses rester encore à peu près combien de temps? Bon, pour l'instant ça va. Mais... Je pense une demi-heure encore. Jusqu'à 23h. Ça marche. N'oubliez pas de manger. Si tu peux mettre... comment dire, une carte de soins. Ça marche. On prend tout ce qui est bon. C'est un pala en essai, mais il arrête. Apparemment, il avait sa connexion elle merde ce soir. Mais il m'a prévenu en whisper. Fais ton appel. On attend 2 secondes. C'est bon. Bien. Five, four, three, two, one. Je vous rapproche un peu les distances. Tu peux reprendre, Jeanne. Les verres en s'écart, les autres passez-vous. Pareil, les LAD. Place les flèches rouges à l'écart.
reprends le switch. Vas-y, je te le reprends. Je vais vers à l'écart, on va sous Paco à droite. Je suis à deux, Jérémy. On se replace sous l'eau. Ouais. Ah non, je suis où, Jean? C'est bon. Le verre, vous écartez. Ah oui, soit, soit, pas cool. La Kunda qui vient d'arriver. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Le tracker. Switch. Qu'est-ce que j'ai pris? On évite les AOE. La coudre. T'as pris la Kunda? Ah, ouais, je l'ai repris parce que j'étais déjà à 2-0-3. Ah, t'aurais dû, ouais, tu m'aurais dû me le dire. Ah, je te l'ai dit. Ah, j'ai pas entendu. On se replace. On évite les boules. Je te reprends en Kimball. Vas-y, je garde la Kunda. J'ai plus de stack. Je t'ai replacé à... Ah ouais, c'est bon, je suis à ma TDM. Ok, c'est bon. BL, non? Ouais, BL. Au fond. Pas coup au fond. 5, 4, 3, 2... Le switch. On évite les. Allez, reviens. Ah, j'ai les deux. Ah, bah j'arrive pas à reprendre la deuxième, c'est bon. Ah, ouais, des moments, je te dis, c'est des moments, c'est chiant. Allez, on essaye de finir au maximum Kimball. Je vais péter ça. Il y a un reste Gwen si. Il y a un reste dispo. Vaut mieux les garder pour les temps. Ah, ok. Ouais. Accepte pas Gwen alors. Je vais vous réduire à néant. Je vais vous réduire en charpie. On se soupe à coup. Les dades. Allez, reste plus qu'un. Dès que tu veux, je reprends, j'ai rien, tu le dis. Hein. Vas-y, reprends. Allez, on finit les dates. On sort des embouches, des aveux, on se prend pas les petites boules. Je fais un peu les ads. La poudre vous... Allez, tu vas comme ça. Dispel chez là. Je suis à 2, Jérém. Vas-y, j'ai repris. Un pelk. Tu laisses la Kunda où aller? Ouais, tu la laisses là. Ouais. Je vais vous réduire à on finit les trackers. On passe sur la Kunda. Les flèches rouges en bout.
tape au coin, c'est tout. Pas cool, ça. J'avais une marque, je trouve. Non, pour l'instant, moi c'est bon. Au revoir. Ouais, mais t'avais une marque de tracker, donc je te l'ai repris. Non, ok. Allez, on va les dégâts du boss plus les ads. C'est un cracker. Ouais. Ah bah, GG tout le monde, putain. GG. Tu vois, non, déjà, 5 kills, ça passe vachement mieux. Ouais. Mais la strat paquet, elle est 200. Bien joué. Je rise. Merci. Pouf. Eh ben. Ouais. Bah, j'ai l'arrêt du cul humide. Allez, on avance. Ok, bah bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Bah, à mon avis, on peut se mettre en dessous. Non, non, parce qu'il y a eu des. Dans l'ancien raid, tu te mettais en dessous. Mais tu pouvais pas te taire ? Mais on va pas faire crever Dracou. T'as eu commenté, toi ? Y'a pas un cobaye qui veut tester ? J'étais parti pour, là. Nous avons porté à tous des ici au temple d'Alari. Ils feront que leur roi se rende pour épargner d'autres souffrances à son peuple. Bah, t'es bien mal poli, Zephira. Oh, mais c'est parce qu'il cherche. Bah oui, bien sûr. Torse en Rome, je sais pas si vous avez tous vu. Ouais, il y a aussi le moine, donc il a le relais plus. Vous êtes que sans cuir, hein, il me semble. Ouais, c'est tous les cuirs. Ouais, ils sont aussi, là, je sais pas. Tiens, ils ont droit, ce bizarre. Ouais. Par contre, là, c'est le gros à focus en premier. Il remplace magie avec cet aspect carpette. Dans la vie, à l'avenir, il vaudra mieux les sables et prendre le gros tout seul.
Ça fait quoi le couteau de Bone Sandy là? Aucune idée. C'est qui a fait la barre? Oh, je dirais un chat. Alors je suis mort, mais c'est pas de ma faute. C'est moi. Je t'ai passé le couteau. C'est ça. Regarde, tu vois, tous ceux qui ont le couteau, ils crèvent. Faut le passer à quelqu'un. Tu veux pas le passer à un autre? En fait, tu l'as en plein de ton écran, il faut cliquer sur quelqu'un pour. Mais je sais pas comment faire. Je voulais le passer à Zephyra, mais. Putain! Il y a encore tout ça d'aide? Peut-être avoir un petit LQE, hein? Si on les ship, on passera peut-être plus facilement. Ah bah, ils ont pas attendu que tu les ship. On a pas le choix. Ah non, mais c'est vrai que le chip ça aurait peut-être aidé, tu vois. Ouais. Après, faut pas m'attendre, il y a mes guild 2 qui ont l'air motivés à me tuer, donc. Enfin, je serai toujours un peu en retard, mais. C'est parce que tu le vaux bien. Mandina va mourir. Je vois ça. Mais j'ai normalement je l'ai cliqué sur quelqu'un. Eh bah t'as pas assez bien cliqué. Hein? T'as pas assez bien cliqué. J'ai sélectionné quelqu'un et après j'ai cliqué sur le truc. S'il faut cliquer sur Acta, il y a que sur lui que ça marche. Ah, mais moi j'avais choisi Lévi donc. Hein. je sape celui de droite. Je tire en devant. Ah bah les autres on peut plus une cap. Marche si je fais ça. Ah ouais, je vois pourquoi. Ah non, ok. Maintenant, faut pas le passer à quelqu'un, faut le planter quelqu'un. Oui, faut que tu sélectionnes quelqu'un et tu cliques dessus. Ouais. Tu peux faut que tu sois à côté du coup. Ouais, oui, il faut être à côté parce que tu n'as pas beaucoup de range. Ouais. Ça marche pas ? Non. Non, il suffit pas que tu les sélectionnes simplement comme target, il faut que tu sois en range. Zephyra, ça fait 4 deux fois. Putain.
Moi, je l'ai fait. Putain, en plus, c'est Der qui l'a fait. Ah, moi, je l'ai fait aussi une fois. Mais c'est pas vrai. Donne-le-moi. La personne la plus proche. Donne-le-moi, je mettrai fin à ce cycle de haine. Tu veux le couteau ou tu veux Der? Par contre, pas les ânes en face parce que c'est les ânes du boss. On va en profiter, on va faire une petite pause. Oui. C'est là que tu nous laisses, Panda, c'est ça? Ouais. Eh ben, merci à toi d'être venu. Bah, de rien. Merci. Bien aidé. Donc, vas-y, fais la pause comme ça, ça laisse le. Cool. Bonne soirée, Panda. Merci. Bonne soirée à toi, merci. Allez, profitez-en, faites bye bye. Ciao, Panda. À plus tard. Ouais, ouais. Attends. Donc lui c'est le dernier qu'on fait en alliance, ça? Oui. Ouais, un varimatras, bis. Génial.
vu comment je suis une cafteuse. Tout à fait. Pour l'instant, je suis rien de spécial. Pourquoi ? Ah ah ! Bah non. Le mien, il est déjà fait. Et j'ai été le faire moi-même. Ah, je sais pas. Tu payes combien ? Kawa et Daniel, il revient pas, hein, c'est ça ? Il est parti. Non, il bosse demain. Ouais, c'est bien ça. Avant de le virer, tu sais, je demande confirmation quand même. Mais il a dit qu'il partait. Ouais, mais j'étais plus sûr parce que j'ai eu plusieurs whisps. C'est pour ça. Un petit clic pour le TP, s'il vous plaît, ceux qui sont là. Oh, pas gentil. Et au fait, t'es où pour vous voir un TP ? Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Putain, le timing. Parfait. Ça va être génial. Sur-Amar, c'est français ou c'est anglais ? C'est... Sur-Amar ? C'est qui ? C'est un moine et un chat. C'est Aïja ? Ouais, français. Moi, j'ai un drapeau sur les membres du RAD. Tu fais comment pour l'avoir, ton drapeau ? Et moi, c'est mon interface. C'est Guilhorse de Huy, il le fait. Okay. Après, il faut aimer l'interface style Guild Wars 2. Il est sur place, mais je le vois pas pour. Par contre, est-ce que il y a quelqu'un qui était à peu près ce boss-là ? Non. Moi, j'ai lu vite fait les strats. Voilà. Ouais, mais j'ai eu du mal un peu à le capter ici. J'ai pas eu le temps de faire le récap pour les. Pas là-haut. Il y a un totem qui pop, il faut le dépop. Ouais. Il y a. Ça, par contre, il faut que le tank, pour faire simple. Avec ton totem, il faut que le tank le place sur le côté, un peu à l'écart, comme ça le totem il fait pas chier les. Il y a des. Comment ça s'appelle ? Les grenouilles. Il y a les grenouilles, elles sautent, si tu en prends une, elle éclate tout le monde autour. Ouais. Ça, faut éviter les grenouilles. Il faut éviter aussi la OE qu'elle laisse sur le sol. À un moment, le boss va cibler un tank. Le tank, il faut qu'il parte le plus loin possible. Et ça va faire des dégâts à tout le raid. C'est le tank qui tank Rataskan, ça. Ouais, c'est détonation brûlante. C'est ça. Et ça, c'est que la phase 1. Et ça, c'est que la phase 1. Ouais. Phase 2, il y a une... Est-ce que tout le monde connaît Varimatras ? Ouais. Les... Non. Ouais. C'est la même chose. Il faut tenir le tank full life avant qu'il se prenne le... qu'on s'appelle le dot, et après il faut qu'il le kite le boss, c'est ce qu'ils disent dans les strats sur le net. Ouais, après j'en sais pas, après c'est P3, il y a le raid P3, c'est le monde des vivants et le monde des morts.
Voilà, il y a un truc de stack, il faut passer dans la void. Sauf c'est que quand... faut pas y passer trop souvent parce que la void elle fait une détonation dans le monde des vivants. Sachant qu'il y a deux ou trois îles dans le monde des vivants. Dans le monde en dessous là. Des morts. Et les deux tanks qui sont en haut. Ouais, ok. Donc par contre je sais pas combien de stacks il faut passer dans la void. Ça j'ai pas vu. Et après P4 on revient tous dans le monde des vivants et je crois qu'il a à peu près toutes les attaques qu'il y avait en P2. Et il faudra claquer les héros à la P4. Il faut. Il y a quelqu'un qui parle, j'entends pas qui. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bon, on va faire un essai. Par contre, les adds, je sais plus c'est lequel. Oui, ce sont des vrais. Et il faut tenir le boss un peu écarté du raid. On peut le taper, il perdra pas de PV, mais les casters peuvent le taper. Ça fera baisser les PV des adds. En tapant le Rataskan ? Ouais. Il perdra pas de PV, mais c'est ils ont les PV égaux. Okay. Les premiers. Ouais, ils sont liés. Okay. Ils sont liés. Voilà, on peut taper le boss, mais il faut qu'il y ait personne à côté du boss. Il y a que le tank qui reste à côté de lui. Sinon le totem il va dégommer les cacs. Voilà, c'est ça. Okay. Donc Jérém, tu prends le boss ou comme tu veux. Moi je m'en fous. Sur les ads, il y a le gros qui saute. Ah, ils ont pas de priorité parce que les vies sont liées, donc ouais. Importe là de qu'on tape. Donc sur la il faut se barrer la personne sur qui il y aura le bon, sinon vous mangez les dégâts avec. Et ouais, non, c'est le seul qui est sur les ads. Donc en fait le roi faut le tanker un peu loin du raid alors. Un peu écarté, pas loin, mais un peu écarté, ouais. Donc, je sais pas, genre. Enfin, genre dans le coin à gauche, là, tu vois. Tu les mets là, ouais. Voilà, et puis les ads, tu les mets à peu près là, tu vois. Ouais. Oh, j'ai pas vu ce qui était écrit. Et sur la vidéo, les tanks ils se cassent ici, là. Partent loin. Là où t'es là. Ouais, quand ils ont le debuff. C'est quand ils ont le laser, ils partent vers la porte qui est... Ah, donc le truc c'est détonation brûlante là. Ouais. Il y a détonation brûlante et à un moment, pas sur la P1 à la P2, mais je crois que ça va être 3 ou 4. Je crois plus la 4. Il va te faire une caresse de mort. C'est bien ce que j'ai compris. Enfin, même la vidéo je comprends pas, je regardais les vidéos, je comprends pas tout sur les vidéos, c'est... Tout y est mélangé. C'est le PTR. Ouais, c'est encore le PTR. Je sais ouais. pas si vous avez vu ce que Aldara a noté. Pour les heals, il y a un des 7 qui va lancer une hache sur un joueur pour remonter à 90% de ses PV pour faire partir le dot qu'il aura sur la gueule. Et il y a une histoire de rayon. Ouais, du coup, j'ai juste regardé une vidéo vite fait. Du coup, sur les 3 ZAD, donc il y a le gros qui bondit sur le tank et il faut pas prendre le deuxième. Il y en a un qui lance une hache et ça fait un dot qui fait assez mal, genre 20 000. Et en gros, cette personne, elle doit être remontée à 90% de ses HP pour faire descendre le dot. Enfin, pour ranger le dot. Et il y en a un qui tire un rayon sur quelqu'un et ça le suit pendant un petit moment. Il faut juste marcher, quoi. Bon, on va faire un essai. Non. On est en 2-5-13 alors, c'est bon. Et pendant ce temps-là, donc il y a le totem qui crache du feu et les crapauds qui avancent pour éviter. Bon bah je prends le boss, Jérém. Ouais. Je vais prendre les ailes. Et le totem, on peut le dégommer, hein. Ah ouais. Donc pour l'instant, toi et moi, on se laisse pas le boss alors. Bah pour le moment, non, je pense pas. Non, moi je vais le garder.
C'est au laser que c'est au l'échange. Si j'ai ouais, voilà, ouais. C'est quand tu dis, à mon avis, c'est quand tu te prends le debuff, tu dois partir loin du groupe pour pas mettre de dégâts au raid ouais. Et l'autre, je le reprends. Ouais. Bon bah, c'est parti. Je ne combats pas seul, envahisseur. Vous faites face au meilleur défenseur de Zutaba. Ah, par contre, le laser sur les... Ah. Mais... Reste là, il c'est un soc. Il faut. Ah il faut non, son... c'est le truc à un soc. Là, là, je dois me barrer là. Attention, il y a un CDI à faire. Attention. Attention les crapauds. Zandana est un endroit dangereux. Ok sur Zoé. Ah ouais, faut vraiment être. Ah ouais. Ouais. Ouais, faut être beaucoup. Faut aller au cac du coup ou comment on fait? Non, faut que... on peut pas mettre un signe pour se rapprocher entre les licences là où on squat et les cac. Parce que peut-être que les tanks vaut mieux pas qu'ils se prennent non plus, donc c'est pas ouais, il faut qu'on soit au moins 10. Hein. On va stopper les îles. En gros, on fait un pack distant et un pack. Pack 4, non ? C'est ce que je suis en train de penser. Je pense qu'il vaut mieux faire une zone où tout le monde va. Hein, parce que moi, c'est ce que j'allais dire, un endroit à mi-chemin entre là où nous, les distances, on est et les CAC, et puis bah, le groupe s'avance, et puis les CAC reculent un peu. Alors, l'élite et il distribue les dégâts entre tous ceux qui sont proches. Hein. Parce que les tanks, si c'est au CAC. Non. Et de ce que je lis, il suggère que tout le monde se stack près du tank pour permettre à tout le monde de continuer à DPS. Et vous ferez attention à l'invasion. Crapaud, elle part droite devant Rataskan. Donc tous au cac, c'est ça? Ouais. Quand il y a le truc. Le mieux, ça c'est ça en fait. Bah de tous au cac tout court. Au moins ça règle le problème. Tous au cac tout le temps? Ouais. Ok. Au moins le temps de défoncer les deux ZAD. Et au moins les ils peuvent claquer leur AOE, ça aide tout le monde. Par contre après oui, il faut faire attention quand il y a la lumière. Parce que celle-là il faut la caisse. Ça c'est à la personne de ses cartes. Et tu croyais pas que ça serait mieux si Rastakhan je tankais un peu plus loin? Dis-moi tu veux le tanker. Après je sais pas par rapport au dégât, mais si je le tanque tu sais où il est, quand il fait sa détonation j'ai pas besoin de me barrer. Bah, sauf qu'il descend des marches sans que tu puisses ouais. Le bouger après. Ah mais une fois qu'il est descendu après c'est bon j'en fais ce que je veux. Ouais. Ça ouais j'ai vu Alors, en fait il descend tout doucement mais en fait tant qu'il descend doucement il fait pas sa détonation. Il l'a fait justement une fois qu'il va vers moi. Parce qu'en fait, de là où tu le tankes, t'as trop de route à faire en fait pour aller faire péter là-haut. Ouais, mais reste quand même à portée de heal. Et toi, tu vas aller la mettre où là-haut en fait? Ouais, moi je vais la mettre complètement limite au fond de la salle. Parce qu'en fait, elle est super large. Ouais. Mais elle est vraiment large. Pire, moi je me mets sur le tank et je le tiens tout seul. Ok. Écoute, tu peux essayer, mais fais attention ouais, à rester. Hors de portée de la détonation. Ouais, et puis à rester healable aussi. Non, mais c'est bon, moi je reste avec lui. Bah, après, le but c'est ouais, mais il faut pas que tu te manges le truc non plus, toi. Ouais, parce qu'en fait, maintenant je vais te faire avoir. En fait, quand je place le boss, quand je me place ici. Quand je me place ici, la AOE va jusque là. Moi je serai dans le raid. Ouais, environ. Ah mais nous dans tous les cas là on va se rapprocher, on va tous être à peu près paqués au bleu.
Non, bah écoute, au pire des cas, je vais continuer comme ça, puis on verra. J'aurai mon totem qui heal pendant les socs, c'est bon. Parce qu'en fait, moi, je l'aurais bien tanké ici. Ah, mais c'est qu'après, j'ai peur avec le totem. Ouais, c'est ça. Regarde, toi, au pire, je te mets un portail. Pour... Voilà, ça ira comme ça. Bon, allez. Non, le festin. J'oublie. Donc là, en fait, une fois que les ZAD sont pétés, là, ce sera la P2. Ouais. Mmh. Ouais. C'est quoi ton portail, là? C'est pour Draco. Que j'ai pas de conneries, un portail démo, tu le prends autant de fois que tu veux. Non, non, t'as un 2 minutes. Non, mais comme ça, je peux switcher avec. Bah, c'est bon, nickel. Allez, venez de tous vos paquets. 4, 3, 2, 1. Je ne cours pas seul, envahisseur. Vous faites face. Oh le laser. Le DH, dégage. Ça. Pourquoi il s'éloigne? Ton tank, faut pas que t'y ailles. Hein. T'as un tank d'autre. Celui avec l'ellipse s'est éloigné là. Parce que j'ai dit de se faire le mais en tant que témoin, il est pour des règles. Il y a un bras zéro. Attention. Ah, il y a la phase 2, on doit la voir déjà. Continuez. Le boss, il faut le placer en bas des escaliers et normalement, bon samedi, il faut tanker près de la porte. Le vieux Gwen samedi les soirs, aucun étranger pour le voit. Et donc tous les DPS au cac de Rataskan et Bon Sandy tout seul avec son tank que voilà. Ouais, mais vu qu'il n'y a pas de deuxième tank. Faut totem. On aura le totem, faut le totem. Il a été fait le totem. Il faut pas taper les copains normalement. Et comment on s'enlève le dot? Alors j'avais vu un truc dessus. C'est les zones rouges? Attention. Là c'est ici, c'est la zone rouge. Il y a des gens qui ont les zones rouges, il faut entrer dedans. Ouais. Il y a une faible aura rouge sur quelqu'un. Ah
Ah mais donc c'est celui qui a l'aura qui doit aller sur les gens contrôle. Non, regarde. Ça va être fun ce truc. L'aura rouge, elle va sauter sur tous les gens, comme l'aura verte sur l'autre. Ouais, sauf que celle-là, il faut qu'elle saute. Ils disent quoi? Non, ils disent que justement. Non mais Lévi, c'est vraiment une prostituée lui. Hein. Raisin. Bah ouais, vous fallait raisin. Il en reste tout le monde. Ah ouais, je veux que tu me restes. Ouais, c'est ça. C'est pas les petits cercles rouges qu'il faut sauver, c'est le tourbillon rouge qu'il faut où il faut se grouper. C'est dans la phase 1. Alors, Boss Andy, il faut le mettre côté porte, très oui. Très loin. À la porte qui est tout à gauche. Il faut le mettre au ras de la porte, ils disent sur la strat. Okay. Merci. Ça m'a écorché la gueule de dire merci quand même. Une fille folie, je le dis quand même. Et la pizza. Ouais. C'est-à-dire qu'il reste 15 minutes. Voilà, donc il faut tanker Boss Andy contre la porte et il faut lui infliger le moins de dégâts possible parce qu'il les absorbe. Voilà, donc il y a un tank dessus, c'est tout. Ouais. Donc ouais, mais là c'est pareil, pour Rastakhan en P2, je fais ce que je fais en P1 et ça change pas. En fait, ouais, tu fais en P1, mais toi tu mets en bas de ses marches. Tu vois où il est, juste en bas des marches à côté du gros, là, plus gros, tu le mets à peu près juste au milieu. Où ça, en P1? Moi, en P2. Ah, en P2, ouais. Pendant que moi, je vais choper le deuxième et je vais le ramener pont à la porte. Ouais. Parce qu'en fait, comme il fait tout le temps la détonation... Donc, à mon avis, avec la détonation... Ah, c'est ça que je comprends pas. C'est le truc du... Genre un tank, il doit se barrer quand il y a quelque chose. Quand il y a la détonation. Quand il y a la détonation, vous échangez le Boss Andy et l'autre là, c'est tout. Ok, d'accord. Mais ça c'est seulement en P2, ça, parce qu'en P1, bon, je veux dire, les détonations, bah, ça va quoi. Voilà, mais P2, c'est Boss Andy, tu vas prendre cartouche quand t'as Boss Andy, parce que tu vas avoir des dots. Hmm. Et en plus, et t'as l'échange quand il y a le laser, parce que ça te met un dot, t'as un dot de boss sur toi. T'as un stack. On voit que Boss Andy sera tanké ici, alors on va à la porte là-bas. Ouais, au ras de la porte sur le schéma, ouais, ils mettent. Ouais. Non, l'autre côté, là-bas, à l'orange. Là. Ah, mais ouais. Non, à l'autre côté. Bah là, sur ce que j'ai vu, c'était ici, là où je suis. Ah, parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de l'espace là pour la déto. Ah ouais, donc je mets à la porte d'entrée. C'est ouais. Bon. Ok. Allez. Donc les trucs rouges, ils s'écartent, et par contre, ouais, pour le contrôle, je sais pas comment ça marche. Le contrôle, c'est le totem qui contrôle, qui va faire que les gens qui sont contrôlés. Ouais, et donc il faut DPS le totem pour casser le contrôle. Allez. Bon, par contre, claquez pas une flasque pour les quelques minutes qui restent. Ouais, 5, 4, 3, 2, 1.
pas seul, envahisseur. Vous faites face au meilleur des forceurs. Le rayon est rouge. Et celui-là, oui, il faut être bouge avec. Bouge pas, putain. Chier, arrête de bouger. Attention. Les crapauds, on les évite. Bon, non. On bouge pas. C'est 3 CDI. Attention. Chapeau, on les évite. Il faut vraiment bouger hein, quand vous voyez les crapauds arriver sur vous. C'est pas compliqué. Hein. T'étais dans le sac. Vous auriez dû échanger avant. Non. Non, mais vous n'avez pas échangé entre deux. Vous n'avez pas échangé du tout. Hein. Mais on n'a pas échangé là. Non, c'est en P2. C'est en P2 que t'échanges. C'est sur bande à... En P1, ils disent tu peux l'échanger quand tu as pris le stack du rayon. C'est la même chose. Hein. T'as le rayon et Beau Sandy. C'est la même mécanique de temps pour faire un P2. Bon samedi, les envahisseurs de l'Alliance ont attention. Assassiné mon peuple. Aide-moi. Pourquoi vous en faire, oh, votre majesté? Le vieux bon samedi, les scores. Aucun étranger point de votre tour. Tu le tankes un peu pour qu'on voit les mécaniques. Ouais, mais il est à bombe sans doute. Ah, tout seul, ouais, le problème c'est qu'il sera pas placé là où il faut. Ah oui, merde. Là, tu vas le totem, il faut que tout le monde tape le totem pour... Il est où le totem? Au pied du boss. Ceux qui sont contrôlés, ils sont attirés pour aller vers le totem. Donc il faut faire attention que tu ne fasses pas trop d'AOE, parce que sinon tu vas... Attention. Tu es tes copains. Déferlement de feu, il faut s'éloigner des autres. Mort à tous les envahisseurs. Vous allez brûler pour vos crimes. Votre homme m'abandonne. De nouvelles âmes pour ma collection. Ouais, les derniers travaux. Les stands, essayez d'échanger après le rayon, même en paire. Ouais, mais avant de les échanger, faut vraiment attendre que ça pète. Parce qu'en fait, je serais trop loin, donc. Non, bah tu l'annonces. De toute façon, il faut que je me prenne qu'un seul bon, en fait. Oui, c'est pour ça qu'il faut l'échanger à chaque rayon. Le deuxième, c'est mort. Même avec deux CD l'un sur l'autre, c'est vraiment impossible. Te dis. Il faut courir plus loin, parce que ça fait pas des dégâts que à vous. Hein. Ça fait des dégâts au raid, hein, le rayon. Ouais. Donc, il y a quoi à faire sur les ZAD, comme j'ai pas encore tanké les ZAD? Rien, c'est tant que les ZAD, faut faire attention quand il fait son bon, il faut switch quand en fait il fait son bon sur le raid, il revient sur toi en faisant exactement le même bon, mais il te le fait deux fois d'affilée, crève. Ouais, mais si tout le monde est sur le tank, il va bondir une seule fois. Non. Il va bondir deux fois. Ouais, il va bondir deux fois, parce qu'il va rebondir sur la personne qu'il a ciblée et il va revenir sur toi, donc en gros il va faire deux bons sur l'autre quoi. Donc, oui, mais si fait, tout le monde est groupé, tout le dégât est partagé. Tu vas one-shot le raid complet. Non, le dégât est partagé. Oui. Il faut le bon est partagé. Donc c'est pour ça qu'il faut stocker.
Par contre, comme les gens ont un peu de mal, quand je dis soc, c'est sur le vert. Je vais faire reculer un peu les cacs comme ça le temps que se mange pas le truc, mais c'est sur le vert. Vous courez pas à droite à gauche, soc, c'est le vert. Et là, les ads, tu les tankais au bleu? Ouais. Ouais. Ouais, même pour les cacs. Les cacs, allez, t'as trois pas à faire. Non, je vais le rapprocher un peu. T'as trois pas à faire en arrière. Dans les strats, ils disent que le tank, lui, il doit s'écarter et utiliser un sort défensif. Ouais. Quand il a la détonation du... Non, quand il y a le saut. Le saut, ouais, le saut. En fait, il fait le saut sur une personne ciblée dans le raid. Et avant qu'ils reviennent sur toi, là, tu claques ton CD. Voilà, il faut que t'aies un CD défensif. Là, tout le monde se pack pour plus de dégâts possible. Et quand il revient, il ressaute sur le tank, c'est là que toi, tu claques ton CD. Bah, enfin, avant, quoi, mais tu claques ton CD pour prendre le moins de dégâts possible. Et là, après, on a là, on a switch. Mais le switch, c'est sur le laser. Il y a en fait, le laser, non? Oui. Ouais. Normalement il correspond à peu près le laser, le bon, ça fait un bon et un laser de chaque côté. Bon, on n'est pas obligé de switch pile poil après le bon, hein, le temps qu'il revienne de son laser, tout ça, il y a une marge. De toute façon tu te bases par rapport à son laser. Ouais, c'est le laser le switch. Ouais, le switch laser. Ouais. Allez. Five, four, three, two, one. Je ne combat pas seul, envahisseur. Tu fais face au meilleur défenseur. Le rayon est là. Il reste pas dans les cages. On s'occupe. Ah, mais c'est bien. J'ai le premier bon. Moi aussi je pars pour la détonation. Tu peux reprendre Jérémy. Ah bah faut d'abord sur lui. Vas-y reprends gros tout de suite. Attention, drapeau attention. Sautez mes petits, sautez. On les évite bien. C'est vrai que t'arrives à... C'est bon. Ah parce que pas là c'est chiant. On saute. Ah c'est pas ça le... Par contre, juste les infos utiles. Tu vois, il m'a fait le bon, là, c'est bon. Moi j'ai la détonation, tu peux le reprendre si tu veux. Attention. Vas-y. Je perds pour la déto. Ah, mais la gonzée, ça le fait. Non, bon, bah c'est bon, là. Voilà, le bon tapis. Rayon. Oh. Voilà, phase 2. Là, il y a un truc de range, hein. Donc, vu que là, t'as le debuff. Là, il faut vite s'écarter de Bossandy, tous. Et moi, je vais mettre Rastaklan aux escaliers. C'est pas Sandy qui peut écarter. Et non, ce que la Rastakan. Le totem. Et on tape pas les copains, mais pas du tout. Détonation. Je reprends mon Sandy. Non. Sur. Encore des crapauds de tri. Ça, les portes de la mort, faut les mettre sur le côté le plus possible. Oh là là, putain. Hein, contrôler. On ne tue pas mon. Oh putain, elle pète. J'ai eu la détonation, je vais en switch. C'est bon. Ah bah non, c'est mort.
Il n'y a pas assez de heal sur le... Ah, c'est... Par contre, tu l'as mis derrière... Derrière, non, c'est sur les portes, sur les côtés, hein. Ouais. Ah bon ? Parce que... Ouais. Moi, peut-être sur le truc que j'ai vu, c'est là derrière. Et je sais pas, Vilou, tu es dans la zone de mort. Dis-toi que nous, les heals là, qui sont entre les deux, on se prend les dots. Là où Vilou, il est. Je suis pris à des taureaux. Ouais, Vilou, il est dans la zone de mort. Moi aussi, j'y étais dedans. Ouais. Ouais, mais normalement, vous avez la place devant. Je ne peux pas aller dedans, c'est tout. Ouais, mais c'est. Il y a tellement. Il Draco, bien dupe là-bas. Il y a la place à gauche, hein, c'est là. Hein. Alors, moi, c'est ce que moi j'ai vu, c'est là où il y a l'orange. De bah, en fait, nous, ce qu'il faut laisser, c'est autant que c'est un espace pour la déto. Mais elle, tu l'as là, t'as... Ah ouais, non, mais en fait, le problème, c'est quand j'y suis allé une fois et il y avait des gars qui étaient là. Ah, donc, quand ça a pété sur les persos qui étaient là. De toute façon, là, c'est fin de raid pour ce soir. Attention. Pour lundi, je préparerai le. Ouais, à mon avis, c'est juste un souci de placement. J'aurais eu le temps de faire ce week-end. Je... Ah, parce que. Bon, son hitbox vert, là. Elle est extrêmement grande. Elle est extrêmement grande. Ouais, ouais, c'est un truc de fou, je te l'ai dit. C'est carrément grand. C'est pour ça, en fait, si t'as pas la place. Oui, c'est ça. Non, mais le... Bah, la place, tu l'as, mais le problème, c'est qu'il y a personne qui doit y aller. Oui, c'est ça. Il y a que les heals qui doivent être en max range du pour te heal. C'est ouais, tout. Là où il y a le orange, zone go. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Et merci aux gens qui sont venus avec nous ce soir. Merci à vous. Merci pour la sortie. Voilà.